Bonjour, Virginie Duette-Fernandez, je suis directrice du musée de plein air des Maisons Comtoises, qui est situé à Nancret, à 15 km à l'est de Besançon. Le musée des Maisons Comtoises est un musée atypique puisque c'est un des 5 musées de plein air de France. Ici se trouvent 35 maisons, édifices, greniers, forts qui ont été démontés et prélevés un peu partout en Franche-Comté et qui sont présentés ici de manière à présenter l'évolution de la vie rurale de 1750 à 1950. C'est également un lieu d'animation avec des animations quotidiennes qui traitent de l'architecture, de l'environnement, d'art, de jardinage, de cuisine, de vie quotidienne. C'est également un lieu d'exposition avec 2 expositions temporaires en cours, en général par saison. Alors cette année au musée, on peut découvrir une exposition autour de la relation homme-animal. Homme-animal, métamorphose d'une relation justement, et qui est en 2 volets, une partie scientifique dans cette grange et une partie artistique qui se dévoile dans une autre grange et aussi en plein air dans le parcours à l'ombre des arbres dans le parc. Alors mon coup de cœur du moment pour le musée, c'est dans les jardins, dans les potagers, il se passe beaucoup de choses, c'est le moment de la fin des plantations, tout prend racine et c'est un moment très intéressant et en plus nos jardinières nous font beaucoup d'expérimentations, donc ça invite à la découverte. Alors si je devais vous donner une bonne raison de venir au musée des Maisons Comtoises, c'est d'abord parce que vous passerez une très bonne journée, en fait vous pourrez vivre, partager un moment unique en famille, entre amis, où vous pourrez découvrir beaucoup de choses et à la fois passer un moment de détente et ludique. Toute l'équipe du musée vous attend, seule ou en tribu, de 0 à 99 ans. Tous les jours, vous ne manquerez pas d'activités au musée et passez surtout un bel été dans le Doubs et venez nous voir.